Christophe Mal, l'homme de sprinter sacré. Il s'agit de déesse du trottet par Spécial Caldoun et star de Chandou. Alors, je vais vous parler un petit peu tout à l'heure de star du Chandou. Christophe Mal, en attendant, donc l'éleveur de sprinter sacré. Je vous disais tout à l'heure que Kay Vega avait été acheté par Jean Birabin lors du concours 2006, un concours absolument exceptionnel, puisque dans la catégorie des foals, il y avait donc ce fameux sprinter sacré. On peut marcher désormais, Christophe ? Le sprinter sacré, donc, qui a tracé son nom dans la, marqué son nom dans la légende des courses en Angleterre, sous la férule de Nicky Anderson. Un fils de Spécial, une fille, pardon, de Spécial Caldoun, donc ici, qui filamonte dans la région à Tsercy, désormais, qui est installée chez Jean-Luc Couetil en Normandie, au ras du Brême, tout près d'Avranches. Tandis que la mère star de Chandou est une cousine de Gwen, le gagnant du président, du prix du président de la République. Alors, star de Chandou, c'est bien sûr l'appellation du légendaire et regretté René Bonnet, l'homme qui terminait les sangliers au couteau. Une véritable légende dans le centre qui a fait vraiment, qui a décimé des populations entières de sangliers, dit des cochons. Et donc, regretté René Bonnet, qui est donc l'éleveur de star de Chandou et l'éleveur de Gwen. Qui avait eu donc cette citation extraordinaire avec Gwen lorsque Jean-Pierre Bichon, son acheteur, est venu le chercher et qui lui avait dit